Alors, les mesures de simplification récentes dont on peut parler ne concernent pas que les sports de nature en particulier, mais sont plutôt générales. D'abord, donc, une mesure prise à la fin de l'année qui supprime la déclaration obligatoire préalable des établissements d'enseignement des activités physiques et sportives, d'une part. Et deuxièmement, une autre mesure de simplification en janvier de cette année qui transfère aux maires la déclaration des manifestations sportives qui n'impliquent pas la participation de véhicules à moteur. Voilà. Donc sur ces mesures de simplification, donc elles peuvent concerner naturellement les sports de nature. À mon avis, elles sont de portée différente. La première, bon, c'est certainement une simplification. Est-ce qu'elle va simplifier, alors pour l'usager sans doute, mais est-ce que pour les services, ça va être une simplification? C'est pas évident, parce que faire ensuite du contrôle administratif des établissements sans déclaration préalable, je pense que ça va être un petit peu plus compliqué. Voilà, donc on pourrait longuement disserter là-dessus. Quant à la deuxième mesure de simplification, ben, c'est plus exactement un transfert. C'est-à-dire qu'à la place du préfet, c'est désormais le maire qui est compétent pour enregistrer les déclarations des manifestations sportives dès lors qu'elles ne concernent que le territoire de sa commune. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire peut-être sur ces deux mesures de simplification qui sont quand même importantes, avec peut-être un regret, c'est que pour l'instant on ne touche pas à l'ensemble très vaste, très diffus, très compact de toutes les réglementations applicables aux sports de nature qui sont réparties partout, dans tous les codes, etc. Là, il y a vraiment un besoin urgent de simplification, de clarification et je dirais d'élagage. Tout le monde devrait le souhaiter et je pense que tout le monde le souhaite. Voilà ce que je peux dire peut-être sur ce point-là.